Mit Augustin, Louis Gérald Gilles, te répond hier jeudi à une invitation de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC. C'était deuxième audition, monsieur, devant la commission d'enquête de l'ULCC. Quant à ancien président BNCA, M. Raoul Pascal Pierre-Louis, il était attendu, d'ailleurs, c'est lui qui était attendu en premier. Il y a un peu de attirer l'attention sur lui, c'est que l'audition hier, là, a gagné une certaine particularité. Ce n'est pas seulement question pour conseiller qui épinglé, qui indexé, non cité pour te venir, pour te répondre pour une deuxième fois consécutive question enquêteur ULCCO. Mais c'était quand même possibilité pour te gagner en séance de confrontation. Confrontation entre l'accusé, bon, l'accusateur, disons, entre l'accusateur, qui c'est M. Raoul Pascal Pierre-Louis, et les accusés, qui c'est trois conseillers présidents. On a parlé de représentants Petit Dessalines, représentants coalition et des Red Compromis historiques là, ensemble avec représentants accord 21 décembre. Si conseiller qui indexé eux-mêmes, je te réponds à l'appel, eh bien Raoul Pierre-Louis, guerrier Dieu seul, Ronald des hommes, t'es brillé par absence li. Et là, faut que nous dit c'était prévisible parce que avocat monsieur Pierre-Louis t'es gantan yo même écrit pour te dire yo pas répondre sinon pour te poser condition pour te répondre. Pour rappel, dans correspondance cabinet qui défend Raoul Pierre-Louis yo dans dossier ça, pour ba yo brandi guerrier, yo dit pour yo accepter vini dans quelque confrontation avec conseiller président yo, première condition, faut conseiller président yo démissionner. Faut conseiller président yo pas absiéger en dans conseil présidentiel. Dans le cas contraire, Raoul Pierre-Louis fait prier dans ULCC pas non mais non. Et qui ça a expliqué pour être capable justifier position ça? Il dit le Raoul lui-même il t'a fait accusation yo, c'est pas des accusations que il t'a porté en tant que Raoul Pierre-Louis, mais c'était plutôt en tant que président conseil du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit qui t'est informé supérieur hiérarchique ou bien autorité pi ou passé lieu. Yes. En l'occurrence monsieur le premier ministre docteur Garry Conille pour dire mais ça passé gagné des conseillers qui t'a rencontré avec et qui t'a exigé une somme de 100 millions de gouttes chaque pour capable reconduire dans tête BNC et pour avocat yo ça t'a pral paraître comme une ironie du sort c'est que c'est Raoul Pierre-Louis comme dénonciateur comme accusateur qui t'a pral perdu job li par la suite qui t'a pral joindre révocation donc pour les défenseurs de monsieur Pierre-Louis révocation Raoul la vin rend li vulnérable donc li pas capable comme un simple citoyen pral affronter des présidents, on va dire comme ça. Ils pensaient que monsieur yo, yo ka utiliser fonction yo, ça c'est Raoul avec avocat pour orienter ba yo. Donc pour monsieur Pierre-Louis, si y a une confrontation pour faire au niveau de l'ULCC, faut que c'est deux civils. Bon, même dit deux civils, deux partis yo, mais faut que c'est trois civils ou bien quatre civils. Quatre civils ensemble. Ya, yeah. Ba trois gros civil, chefs. Civil. Yeah. Trois gros chefs et puis les mêmes Jodia qui c'est
concept citoyen. Concept citoyen même avec ma voix. Vous comprenez? Donc, il n'est pas président encore, il n'est pas chef encore, il n'est pas conseiller de privilège encore. Donc, il dit, pour rentrer dans quelconque démarche, pour la confronter, monsieur, il faut que vous pas en poste. Ou bien, il faut retourner dans la poste. Là. Oui, vous tenez la possibilité. La blague du jour. Non, mais Bobzo. Non, mais sinon, sinon ça que ça peut le passer. C'est soit monsieur démissionnaire ou bien retourner la poste client. Qu'on a l'aile balle devant elle. C'est. Des autorités, quatre autorités, quatre autorités. Alors ça, mon cher. Donc, je suis dit tout autant, n'est-ce pas démissionné. Il n'y a pas besoin de compter sur lui. Pas compter sur lui. Dans la question de la confrontation, ULCC a parlé. Maintenant, il y a des gens qui ont gardé de loin, qui ont dit un, position avocat Raoul Pierre lui a fait sens. Il a considéré comme une position de principe. Mais il y a des gens qui ont dit tout, est-ce que ce n'est pas un prétexte? Est-ce que ce n'est pas en forme de marronnage? Monsieur Pierre, lui, lui-même, comme dénonciateur, lui-même l'a fait. Il y a des gens qui sont capables de tout carrément dire, est-ce que ce n'est pas un jeu? Monsieur Pierre, lui, ensemble avocat, lui, a fait. Ou bien, l'aile poser révocation, pas dire révocation, démission, n'est comme condition, est-ce qu'elle n'est pas. Vous voulez venger tout? Si vous me dites que vous avez un dossier, vous n'avez pas perdu par nous. Vous comprenez? Bah, la table trop facile. Et nous quatre qui étaient réunis, nous quatre qui étaient dans le chambre d'hôtel. Et nous quatre qui étaient négociés. Vous comprenez? Et nous qui avons mangé la caille. Et nous qui avons boire du vin la caille. Nous qui avons dansé à ces madame, nous qui avons dansé à madame. Donc si je dis à moi, perdu job, moi, moi, pas chef encore, nous-mêmes, nous n'avons aucun intérêt pour rester chef. Il y a des gens qui ont gardé. Vous comprenez? On se dit comme ça. On va dire si gain pour tomber nous tout cap tomber. On va dire si gain pour sale nous tout cap sale, l'étape trop facile et puis pour nous fin à négocier n'a pas entendre nous son bagage et puis nous même nous style rester dans les hauteurs et puis à garder ici. Séance de confrontation elle est d'une importance capitale. Pour qui ça d'ailleurs expliquer ça dans correspondance vous voyez bah, monsieur Pierre Louis. Il estimait arriver à un certain moment dans l'enquête là, gagner des contradictions entre les dépositions de l'ancien président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit et les déclarations, si vous voulez, les explications, les réponses des trois conseillers présidents. Et il a relevé contradictions ça à plusieurs niveaux. Donc, sous base ça, ULCC, à travers sa commission d'enquête, décide et dit, faut gagner des séances de confrontation, DG contre Mantikaba, pour ni ancien président BNC, Raoul Pierre-Louis, ni trois conseillers, yon a gardé l'autre danger. Pour y a dit, qui ça effectivement yon a discuté? Qui réponse yon a débattu l'autre? Qui ça échange ou te gen la dedans? À qui moment ou te décide de prendre contact? Qui ça te motivation? Qui ça ou te discuté tout au long de conversation ou te gagné? Que ce soit face à face, que ce soit dans le téléphone. Comme enquêteur ULCC, c'est des mondes qui connaît en la matière. C'est des mondes qui maîtrisent sa affaire. Probablement ou te technique yo. Ou te vle, brandi, ou est-ce yo ka au moins jouen de bagay nan men quatre moun yo. Qui est capable d'aider l'enquête à avancer, qui est capable d'aider l'enquête à lui-même li abouti. Mais maintenant, monsieur Damien ULCC estime confrontation tellement important, après au fin de son procès verbal, pour constater absence Raoul Pierre-Louis, il entend convoquer monsieur Pierre-Louis en deuxième fois. Parce que pour lui, c'est important, pour lui capable de fixer définitivement. Sous dossier ça. Et si je ne me trompe pas, jeudi ou bien week-end nan, ou plus tard, en deuxième invitation, tu as dû rejoindre M. Raoul Pierre-Louis via son cabinet d'avocat. Question.
est-ce que monsieur Raoul Pierre-Louis ou bien avocat Raoul Pierre-Louis a changé idée avec deuxième convocation ça et a répondu. Moi même personnellement si nèg yo veut rester cohérent parce que pas grand rien qui a changé vraiment mais ça pose comme condition yo m'a tout carrément répondu non. Il va aller, il va répondre. Pour ta répondre à moins que nèg yo t'a démissionné et ni moi ni Ronald ni ou guerrier connaît nèg yo pas en train de démissionner. Bon jusqu'à présent. Donc ça veut dire démission pas capable kembe. Mais comme c'était condition pour devini le fait que pape gien démission mais pas gien démission donc yo pape vini. Mais qu'on y a un bail qui intéresse nous. Puisque M. Damuel CCO, ou bien enquêteur, estime une confrontation importante pour yo dans le niveau où il est dans l'enquête là, mais Andy, pas Andy, l'absa quand même, n'est-ce pas pas démissionné, Raoul décide pas jamais venir parce qu'il n'est pas jamais démissionné, est-ce que ça, pas pral gien des incidences sur l'enquête là? Est-ce que ça, pas pral souvle influencer l'enquête là? Sous une forme ou sous une autre. Et si on dernier question m'a posé dans niveau ça. À qui est absence là ou là ou bien pas venir là ou là capable profiter. Est-ce que c'est aux accusés? OK? Ou bien est-ce que c'est à l'accusateur lui-même? Question on a posé. Nous pas forcément gain réponse là. Mais pendant nous même qui de loin n'a pas suivre ou Jean Noué, commission d'enquête la capitalisé sous CS confrontation, mette nèg yo face à face, puisque dernière fois elle te rencontré avec yo, c'était de manière séparée. Pour Jean Noué yo, bye, CS confrontation importance, nous venons comprendre que son bagay qui important. Important, pas vrai? Mm-hmm. Pour yo. Donc si l'important pour yo, le baram rivi fait, est-ce que ça pas bloquer enquête là? On côté? Ou bien est-ce que ça tout pas pral fait monsieur Damio au niveau de commission d'enquête là rewé bagayou bal bon exemple qui simple m'a blon antique par on disait hier côté gon source dans ULCC qui évoquait un article dans loi 2014 là qui gien pour avec prévention répression corruption qui parlait de entrave soit à la justice ou bien à l'enquête. Par exemple, le yo invito à quel que soit titre là pour collaborer avec commission ou bien avec enquêteur ou décider pour n'importe quelle raison ou pas venir, yo ka considérer comme tel à savoir que ou te font entrave avancement enquête etc. Ou pas de collaborer. Maintenant, si c'est ça, ou bien si vous avez considéré comme ça, est-ce que ça tout, pas pris le barreau doit pour vous orienter conclusion dans le sens pour pénaliser parce que un tel te doit venir, il n'est pas venu, un tel te oblige de venir, il n'est pas venu. Parce que ça m'y est comme information, à aucun moment, dans l'appréciation commission d'enquête là, il n'y a pas considéré raison fondamentale que avocat eux même avancé pour avoir pas venir à savoir la démission des conseillers présidents à aucun moment. Alors est-ce que conseiller après scandale c'est eux même qui t'ai alors question à poser c'est eux même qui t'ai recommandé que yo évincé Raoul Pierre-Louis de poste à ma connaissance non et l'autre considération à faire m'a fait encore. Oubliez que pays a cherché qu'on ait la vérité autour de question ça. Qui ça que lié véritablement? Est-ce que réunion t'est faite? Est-ce que t'es gain cob qui m'a dit? Qui est-ce qui t'a mandé? Etc. C'est de vérité que mon y a cherché établi autour de ça. Et dans chercher établi vérité, hein, faut youn ou l'autre dans deux parties, pas positionner yo comme si d'accadou non sorte de faire chantage et faire passer le temps à travers dossier ça. Tout ça qui permet que nous allions vite et bien dans le dossier, hein? Et bien que nous mettions le sous-table. Par exemple, accusation faite, gain de bail qui verbalisé, gain de preuves qui gagne, que nous aidons que l'enquête l'en fait rapide. Parce que ça arrive. Gain un blocage quelque part de gouvernance là, à travers le dossier. Ça. Bail là qui était stade, trois conseillers, et Raoul et Pierre-Louis seulement, ils viennent dans le pays. Parce que pas oublier son conseil qui a administré le pays aujourd'hui, il y a de grandes décisions qui vous prennent.
Donc, yon ou l'autre dans deux parties, que yon facilite que yon enquête là, les mêmes les cas.